Dans la tradition indienne, le dharma, ou la voie juste, de l'existence humaine est la réalisation du divin. Elle est le désir le plus ardent de toute âme. C'est la floraison ultime de la graine cachée à l'intérieur de chaque être. Comme une graine a besoin d'eau pour croître, l'âme a besoin d'amour. La mère divine incarne l'aspect féminin du soi qui nourrit l'âme et permet à la graine de s'épanouir jusqu'à sa pleine divinité. Entendre son nom et voir sa forme délivre les êtres de toute affliction. Sutra du Lotus. Krishna, où es-tu? Il y a des esprits dans cette rivière. Certains sont bons, d'autres sont mauvais. C'est à toi de choisir selon ton cœur. Suis la rivière. Dieu n'attend rien de nous. Il est celui qui donne. Il donne comme le soleil. Le soleil n'a que faire de la lumière d'une bougie. Dieu est une expérience subjective qui dépasse l'intellect. C'est une pure expérience. Dieu est une pure expérience. C'est comme l'électricité. Vous ne pouvez pas la voir, mais vous pouvez la sentir. Elle éprouvait un sentiment de compassion et d'amour envers toute la création. Ama dit qu'il en a toujours été ainsi dès sa naissance. Ama est né dans le village de pêcheurs de Paraya Kadavu. Enfant, elle s'appelait Sudamani, qui signifie joyaux semblable au nectar. La famille d'Ama était très pauvre, son père était pêcheur.
Tous les habitants du village sont hindous et appartiennent à la caste des pêcheurs. La pêche est leur moyen de subsistance. À la naissance, elle n'a pas crié. Quand je l'ai regardée, elle ne bougeait pas. J'ai pris peur car le bébé qui l'avait précédé était mort. Mais la femme venue m'aider à accoucher a dit « Oh, elle sourit ». Amma a commencé à marcher à l'âge de 6 mois et peu après elle s'est mise à parler couramment. Elle n'a jamais babillé comme font les bébés. Amma regardait des livres et se mettait à chanter le nom de Krishna. C'était spontané. Cela commençait très jeune. Elle se comportait différemment des autres enfants. Quand Sudhamani était enfant, elle suivait sa propre loi. Elle n'obéissait pas à ses parents, ce qui finit par devenir un véritable problème pour eux. Parfois, ils se disaient qu'ils avaient une fille bien étrange. Parfois, ils la trouvaient désobéissante. D'autres fois, ils pensaient qu'elle était folle. Donc, ils se faisaient de fausses idées. Quand vous ne parvenez pas à saisir quelque chose, à comprendre quelque chose, vous lui collez l'étiquette « étrange ». Le matin, lorsque la mère de Sudhamani réveillait la maisonnée, Sudhamani n'était pas là. Elle restait éveillée toute la nuit à chanter des hymnes et à méditer ou à danser en extase. Les enfants, réveillez-vous, il faut aller à l'école. Il y a beaucoup de travail. Sudhamani n'est pas là ? Tous les matins, elle s'endormait sur la plage, ou parfois sous un arbre. Sa mère la cherchait partout et se mettait très en colère, car Sudhamani n'obéissait pas. Vous savez, dans la société indienne, il est impensable de désobéir à ses parents. Sudhamani ! Sudhamani ! Oh, Sudhamani ! Oh, Sudhamani ! Il est déjà tard. Toujours pas réveillé. Sudhamani. Tu vas voir si je peux pas te réveiller. Je me sens triste de l'avoir punie. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. C'est pourquoi je la punissais. J'ai parlé à quelques-uns des professeurs d'Amma et ils m'ont dit qu'elle était une enfant remarquable. Elle pouvait tout apprendre par cœur du premier coup. Amma était une élève adorable. Elle était très singulière, vraiment différente des autres. Quand Amma était à l'école ici, il arrivait qu'elle perde connaissance et qu'elle tombe. À l'époque, nous étions tous totalement ignorants de ce qui pouvait bien provoquer ces états. Aujourd'hui, par contre, nous savons qu'en réalité, ces moments étaient pour Amma expérience, béatitude. Quand Sudhamani avait 9 ans, sa mère, Damayanti, est tombée très malade.
Sudhamani a décidé qu'elle n'irait plus à l'école, de façon à faire toutes les corvées domestiques. La plupart du temps, bien qu'elle effectuât les corvées domestiques, elle faisait tout son travail en chantant le nom du Seigneur, en pleurant, en dansant. Lorsqu'elle jouait avec les autres enfants, elle chantait le nom du Seigneur, et de ce fait, tout était adoration. Sa vie entière était une adoration, une prière. Quand Sudhamani était absorbée en profonde méditation, elle perdait toute notion du jour et de la nuit. Elle ne mangeait plus et ne dormait plus. Les animaux qui la voyaient étaient pris de compassion et lui apportaient de quoi manger. Ama se rendit compte qu'il comprenait mieux son état que les êtres humains. Elle imagina que ces animaux lui étaient envoyés par Dieu pour l'aider dans ses pratiques spirituelles. Pour Ama, il était clair que l'amour infini de Dieu se manifestait à travers ces animaux et l'attention qu'elle leur portait devenait une autre forme de méditation sur le divin. Parce qu'elle manifestait le même amour envers tous les êtres, nous pensions qu'elle était étrange et un peu folle. Elle aimait les autres de la même façon qu'elle aimait les membres de sa famille. Elle aimait les arbres, les animaux domestiques et même les animaux sauvages tout autant que ses propres frères et sœurs. Un matin, je cueillais des fleurs. Soudain, un énorme serpent venimeux s'est abattu sur moi. Au même instant, Ama est arrivée. Elle a parlé au serpent. Elle lui disait que j'étais sa grand-mère et m'a assuré qu'il ne me ferait pas de mal. Puis elle a approché la gueule du serpent de sa propre bouche et a touché de sa langue l'écrou du serpent. C'est combien? 2 roupies. Tu en veux que la moitié? Alors, tu en veux que la moitié? C'est 1 roupie. Ama était très travailleuse. C'est elle qui nous a presque entièrement élevés. Elle s'occupait de nous tous, vous savez. Elle s'occupait de nous du matin au soir, elle faisait tout. Elle nous habillait, elle nous envoyait à l'école, elle veillait à notre bien-être. Ama portait toujours sur elle des images de Dieu ou de Mahatma et leur parlait. Nous pensions qu'elle était mentalement déséquilibrée. Elle s'écriait en fondant en larmes « Krishna, Krishna » et tombait par terre inconsciente. Je m'inquiétais de savoir comment tout cela allait finir. Damayanti. Damayanti, as-tu vu Sudhamani? Sudhamani? Elle est partie tôt ce matin. Où est-elle allée? Je crois qu'elle est allée au marché. Mon fils, sais-tu si ta sœur est allée au marché? Mais où est cette fille? Il y a tant de travail à la maison. Qu'est-ce qui la retient si longtemps? Sudhamani. Elle contemplait une image et ne cessait de chanter le nom de Krishna. Le comportement de Sudhamani m'attristait.
Sudhamani, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-il arrivé à ma fille? Sudhamani, que t'est-il arrivé? Sudhamani, que t'est-il arrivé? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Elle s'étendait sur le sol et se roulait par terre. Quand elle reprenait conscience, elle ne se souvenait plus de rien. J'étais si préoccupé par son état. Parfois, Amma prenait de la nourriture et des bijoux à la maison pour les donner aux pauvres. Un jour, elle a pris une boucle d'oreille qui appartenait à sa mère et l'a donnée à un malade pour qu'il puisse acheter des médicaments. Quand ses parents s'en sont aperçus, ils se sont mis en colère et l'ont battue sévèrement. Sudhamani, as-tu vu ma boucle d'oreille? Elle a donné ma boucle d'oreille à quelqu'un. Demande-lui, à qui l'as-tu donnée? Dis-le-nous. Pourquoi tout ce bruit? Mais c'est un vacarme incessant. Demande-lui à qui elle a donné la boucle d'oreille. À qui as-tu donné la boucle d'oreille? Dis-le-moi. À qui l'as-tu donnée? Dis-moi la vérité. Sudhamani savait que toutes ses souffrances la rapprochaient de Dieu. Elle avait conscience que son calvaire était son véritable maître. Les parents d'Amma ignoraient tout de la spiritualité. Ils pensaient que Dieu était assis sur un nuage ou qu'il ne résidait que dans les temples. Ils n'avaient aucune idée de l'omnipotence de Dieu. Comme le dit Amma, notre capacité intérieure à devenir Dieu est infinie. Cet aspect de la spiritualité leur était complètement inconnu. Ils ne pouvaient même pas imaginer ni même rêver que leur enfant, leur fille, puisse être dans un état de conscience spirituelle des plus exaltés. J'étais induite en erreur. Je ne savais pas qui elle était. Elle était différente des autres enfants. Donc je la battais et je la punissais. Dès l'aurore, Damayanti se rendait à la rivière, se lavait et faisait ses ablutions avant de commencer la journée. Mais on ne trouvait Sudhamani nulle part. Sudhamani! Sudhamani! Oh, Sudhamani! Oh, Sudhamani! Sudhamani, où est Sudhamani? Ça fait si longtemps. Ah, cet enfant est encore en train de méditer. Sudhamani! Sudhamani! Elle n'a fait que ça depuis ce matin. Sudhamani! 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 Allez, oh, oh! Il y a tant de travail, tant de choses à accomplir, assez de méditation, il y a tant à faire. J'en peux plus de cet enfant! Il y a plein de choses à faire, tu sais. Oh là là! Damayanti était très stricte quant à la manière d'élever ses filles. Amma disait, « Je ne vous appartiens pas, le monde entier est ma famille. » Lorsque Damayanti entendait cela, elle devenait folle et elle punissait Amma.
Quand vous êtes empli de béatitude, vous pouvez sourire, vous pouvez danser, vous pouvez vous rouler dans la boue. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est ainsi que cette béatitude intérieure peut s'exprimer. Il ne peut en être autrement. Les parents d'Ama la voyaient danser et parfois ils se demandaient comment notre fille peut-elle danser ainsi alors qu'elle n'a jamais appris la danse. Ils étaient momentanément transformés. Ils se disaient qu'il y avait quelque chose de très particulier chez leur enfant. Le monde entier et tout l'univers sont une merveilleuse mère, car ils sont la beauté de Dieu. Le monde entier est la création de Dieu, et nous devrions en tomber amoureux. Tout était adoration. Sa vie entière était adoration et prière. À cette époque, c'était la coutume de respecter le système des castes. Mes parents avaient l'habitude d'offrir de la nourriture, de l'huile et des vêtements à un homme de caste inférieure, mais ils déposaient toujours leurs dons à une certaine distance de la maison pour qu'il les prenne lui-même. Mais Amma ne respectait jamais cette règle. Elle allait s'asseoir et manger avec le vieil homme et l'appelait père. Elle le traitait avec amour.
Cette attitude était considérée comme une désobéissance ouverte envers nos parents et un manquement aux coutumes du village. Je t'ai apporté ceci. S'il te plaît, mange. Lorsque le cœur est rempli d'amour, cela se manifeste en tant que compassion à travers le regard, le toucher, l'action, le sentiment de l'autre où la notion d'altérité disparaît. Alors il ne reste que vous. Et la compassion et l'amour s'expriment spontanément. Donner aux pauvres, prendre soin des malades et nourrir les affamés, toutes ces vertus jaillissaient spontanément de sa nature profonde. Je lui demandais de ne pas méditer. Je lui disais que cela n'était pas nécessaire. Les gens vont dans les temples pour adorer. Tu n'as qu'à prier normalement, comme les autres filles. Nous n'avons que faire d'un tel comportement. Oh, Sudamani, arrête, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-nous tranquille. Elle s'est remise à chanter, à danser. Les enfants vont se réveiller, je ne sais pas quoi faire. Je vois aucune solution. On n'a pas de nuit tranquille. Bien qu'elle n'ait eu aucun soutien de la part de sa famille, ni des gens du village, ni même aucune aide de quiconque excepté Dieu, Amma restait fidèle à ses principes. Amma disait : je suis née pour aider les personnes qui ont besoin de moi. Je ne suis pas seulement votre fille, je suis ici pour tous. Quel est le problème? Toujours le même. Cet enfant va finir par détruire la famille. Calme-toi, je vais trouver une solution. Mais quelle solution? Nous allons la marier. À deux reprises, des prétendants sont venus. A-t-elle obéi? Ton père et ta mère sont là pour prendre toutes les décisions te concernant. Maman et papa décideront, je prendrai la décision. Mais ne vous m'avez pas assez ennuyé comme ça? À deux reprises, des gens sont venus et repartis. Je ne vais pas encore te laisser évincer celui-ci. Mais vous m'avez suffisamment ennuyé avec cette histoire de mariage. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as qu'à écouter ce que maman et papa te disent de faire et rien d'autre. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier. Ah, je ne sais pas quoi faire. Tu as vu cet enfant? Si nous la marions, nous n'aurons plus d'ennuis. Je pense que vous connaissez la société indienne et quels rêves les parents nourrissent pour leurs filles. Ils pensent qu'un jour ou l'autre, leur fille devra être donnée en mariage. L'incident qui s'est produit correspondait à la troisième proposition de mariage. Ce fut si douloureux. J'avais décidé de la marier de force à ce garçon. Lors d'un mariage arrangé, la future épouse doit apporter le thé ou quelques rafraîchissements au futur époux, ainsi qu'à ceux qui l'accompagnent. À ce moment-là, quand on a demandé à Amma d'apporter le thé au futur époux, elle a simplement pris un bâton. Oh, ma fille, comme tu plies bien les vêtements. Pourquoi tant d'amour envers moi? Ma famille est très heureuse. Ma fille est très heureuse aussi. Ne porte pas celle qui est déchirée. Mais non, j'ai pas besoin de ça. Mets cette nouvelle robe.
Dis-moi, maman, pourquoi veux-tu que je la mette? Des gens sont venus te voir. C'est un garçon très bien. Maman, je t'ai bien dit que je ne voulais pas de mariage. Enfin, maman, ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas me marier? Sois gentille, mais ça... Que se passe-t-il? Pourquoi toute cette agitation? Non, il n'y a aucun problème. Je vous l'ai dit, pas de mariage! Il n'y a aucun problème, je vous en prie. Restez. Sors, et va le voir maintenant. Non, fils, je t'en prie, assieds-toi. Je la voyais courir après le prétendant, criant qu'elle allait le tuer. C'était extrêmement pénible pour moi. C'est alors que j'ai décidé de ne plus rechercher d'autres propositions. Les états mystiques sublimes de Sudhamani et son identification intérieure avec Krishna continuaient. Et bientôt, cette union intérieure avec le Seigneur Krishna se révéla aux villageois. C'était en 1975, lors d'un rassemblement religieux près de notre maison. Je n'étais pas présent à ce moment-là, mais beaucoup de dévots m'ont fait part de leur expérience. Il y avait un grand nombre de personnes qui n'avaient pas la foi. Elles voulaient qu'Ama fasse un miracle, de façon à prouver son authenticité. Les gens réclamaient que si elle était Krishna, si elle était le Seigneur, elle le prouve en donnant un signe. Alors mère dit, ce n'est pas mon but. Je ne veux pas faire de miracles pour faire des miracles. Cela peut aider dans une certaine mesure. Bien sûr, des miracles se produisent toujours auprès d'un maître. Mais mère leur dit, le véritable joyau est en vous. Ce genre de miracle ne fera qu'accroître votre désir. Là n'est pas mon but. Il y avait dans l'assistance un homme sceptique. Il ne croyait pas en Ama à cette époque-là. C'est lui qui a pris le pot d'eau. Tout ça n'est pas vrai. Je croirais à rien de tout cela. Krishna, si elle est vraiment Krishna, qu'elle le prouve, qu'on voit un miracle, alors nous pourrons tous croire. Je ne veux pas accomplir de miracle. Tu dois en faire un, tout de suite. Si je fais un miracle, vous m'en redemanderez. Tu essaies d'y échapper. Fais-en au moins un. Allez, fais un miracle, tout de suite. Il n'y a pas d'autre solution. Apportez de l'eau, qu'on voit un miracle. J'étais là quand elle a changé l'eau en dessert sucré. C'était un miracle. C'est du Panchamritam. L'eau s'est changée en pudding au lait. Govinda Hari Gopala.
Après l'épisode du miracle, des gens ont commencé à venir à la maison. Cependant, certaines personnes se sont mises à répandre des calomnies sur la famille, ce qui a fait que la famille s'est retrouvée complètement isolée du reste de la communauté. Les parents ne voyaient aucune solution et ont même parlé de se suicider. Il se trouva que leur intention parvint aux oreilles de Sudamani. Sais-tu ce que les gens racontent à propos de notre enfant ? Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Les enfants ne sortent plus. Nos parents ne viennent plus nous voir. Subhagan a dit qu'il allait quitter cette maison. Je ne peux pas vivre ainsi. À propos de Sudamani, laisse les gens dire ce qu'ils veulent. J'ai trouvé une solution. Le mieux est de mourir en absorbant du poison. Sudamani a surpris ses parents parlant de suicide. Elle, qui souhaitait ne répandre que l'amour, a compris qu'elle était la cause des souffrances de sa famille. Alors, elle a voulu quitter son corps. Pensant que l'océan était sa mère divine, Sudamani a décidé de se fondre en lui. Mais après que ses parents l'aient sorti de l'océan, un grand changement s'opéra en eux. Ils lui ont dit qu'ils apporteraient leur soutien à ses pratiques spirituelles, qu'ils feraient tout ce qu'elle désirerait si seulement elle restait dans son corps et demeurait avec eux. Je dirais que c'était l'un des plus grands miracles qu'Amma ait accompli. Cette transformation qui s'est opérée, surtout chez sa mère, son père, ses frères et ses sœurs, ses parents considèrent mère comme étant tout pour eux, à la fois leur maître et leur Dieu. De mes propres yeux, j'ai pu les voir sortir de leur ignorance, reconnaître mère, se prosterner devant mère, l'accepter, reconnaître Amma comme leur tout en tout. Mais ce fut une évolution lente. Mon frère Subhagan était très strict en matière de discipline. Amma ne respectait pas du tout les règles de sa caste. Les villageois s'en plaignaient auprès de mon frère. Aujourd'hui, quand il n'y aura personne, je lui parlerai. Et si elle n'écoute pas ce que j'ai à lui dire...
À plusieurs reprises, Subhagan, le frère de Sudamani, avait donné l'ordre à sa sœur de mettre fin à ses pratiques spirituelles. Mais elle ne lui avait jamais obéi. Un jour, avec ses amis, ils décidèrent de la tuer. Hé, hey, Sudamani, viens ici. Si tu n'arrêtes pas tes dents et tes chants, ton corps ira flotter dans la lagune. Tu es peut-être capable de détruire ce corps, mais que peux-tu faire à l'âme? Je ne suis pas ce corps, tu ne l'as pas encore compris. Je ne veux pas entendre tes sermons. Es-tu prête à m'écouter? Je veux voir en tant que forme de Dieu venue me libérer de mon corps. Elle doit mourir. Elle est une malédiction pour la famille. La laisser vivre plus longtemps mettrait la maison en danger. Son agresseur, quoi qu'il en soit, fut terrassé par une crise soudaine et s'écroula à terre. Son frère prit alors très peur. Sudamani savait que son agresseur allait mourir et elle se rendit à son chevet à l'hôpital. Elle lui apporta de la nourriture et le consola. Elle lui assura également qu'elle ne lui en voulait pas et lui manifesta compassion et amour en le nourrissant de ses propres mains. Là réside la beauté des actions d'un véritable maître. Il voit tout comme étant Dieu, même la personne la plus cruelle. C'est pourquoi Amma se prosterne devant tout le monde. Elle entre dans la salle, elle se prosterne. Elle se lève, elle se prosterne. Si quelqu'un lui apporte une image, elle s'incline devant cette image, que cela soit important ou insignifiant. Amma se prosterne devant tout. Cela signifie qu'il y a une Amma cachée à l'intérieur de chaque être humain, de chaque chose. Ainsi même en l'agresseur de mère, il y avait la lumière. La lumière de Dieu, prête à poindre. Voyant cela, son agresseur se repentit, et des larmes coulèrent sur son visage, reflétant ainsi l'amour d'Amma. Vous savez, quand je l'ai vue, quand je me suis trouvé en face d'Amma, je n'avais rien à dire. Je n'avais rien à dire. Mon esprit est devenu si calme et tranquille. Mon cœur s'est rempli d'amour, rien que de l'amour. Et j'ai pu être le témoin, j'ai pu faire l'expérience, j'ai pu toucher l'amour universel, la compassion universelle. En fait, tout au long de ma vie, j'ai éprouvé le désir intense de connaître l'amour véritable. Je pensais pouvoir trouver l'amour dans les échanges avec mes amis et avec d'autres personnes dans la société, mais je n'en ai jamais fait l'expérience. L'égoïsme était toujours présent. Il y avait toujours un motif égoïste derrière l'amour dont je faisais l'expérience dans le monde extérieur. Quand j'ai regardé le visage de mère, j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré et pleuré et pleuré, comme si je me débarrassais de tout le poids du passé. Et alors, elle m'a simplement pris dans ses bras, m'a posé la tête sur son épaule et m'a murmuré à l'oreille, « Enfant, tu es mien. Tu es mon enfant et je suis ta mère. » Alors je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Et puis, elle a appuyé son index entre mes sourcils. Et voilà, c'en fut fait. Voyez-vous, j'étais complètement en dehors du temps. Auparavant, je n'avais jamais éprouvé une telle béatitude, une telle tranquillité d'esprit. Il n'y avait plus de pensée, et c'était comme au-delà du temps, au-delà du mental et du corps. Je suis resté assis pendant 3 heures. Et ces 3 heures sont passées comme ça,
seulement une seconde. Voilà ce qui s'est produit lors de ma première rencontre avec Mère, et cela a complètement transformé ma vie. Quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, non, ma vie est pour Mère. Le but de ma vie est de connaître Dieu. À cette époque, il n'y avait que quelques personnes autour d'Ama, et cet ashram n'était en fait qu'un petit lopin de terre entouré par la lagune. Les résidents de l'ashram, je dirais qu'il n'y en avait que 10 ou 12. Et à ce moment-là, quelques dévots qui ne résidaient pas à l'ashram, mais y faisaient de fréquentes visites, voulurent former une organisation. Au début, Mère était totalement opposée parce que, disait-elle, former une organisation, c'est comme institutionnaliser tout le processus. Et Mère dit, je ne veux pas de cela. Je veux que les gens viennent ici librement, parce que ce n'est pas une institution. C'est une gurukula. Gurukula veut dire la famille du gourou, la famille du maître. Un lieu où les échanges sont spontanés, où règne l'amour et la compassion, où chacun se sent concerné. Mais une fois devenu une institution, un tel lieu se transforme en une administration. C'est pourquoi Mère a dit, je ne donnerai mon accord que si vous promettez de ne pas transformer cet endroit en une sorte d'organisation administrative. Finalement, tous le promirent sincèrement en touchant les pieds d'Ama. J'ai pris conscience que tout ce que je considérais comme étant susceptible de me rendre heureuse, finalement ne m'apportait pas le bonheur. Et j'aspirais vraiment à un peu de paix dans ma vie. Je voulais connaître Dieu. C'était un appel si profond qui venait du fond du cœur. J'ai senti que je devais trouver un maître, quelqu'un qui m'enseigne comment trouver Dieu. C'était une expérience très profonde et inoubliable. Quand j'ai vu la photo d'Ama, j'ai été étonnée de voir qu'elle avait les traits d'une jeune fille de 16 ans. Mais cette simple vision d'elle m'alla droit au cœur et j'ai senti qu'elle allait devenir mon maître parce qu'elle semblait si jeune et innocente, mais il y avait un tel pouvoir dans ses yeux. J'ai vraiment senti qu'elle était la mère divine. Vous pourriez dire la déesse incarnée sous la forme de cette petite jeune fille. Je ne savais pas vraiment qui elle était. J'avais apporté un paquet de cacahuètes pour les lui offrir. Quand elle est venue vers moi, elle a tendu les mains comme ceci. En fait, elle voulait prendre mes mains dans les siennes. Mais moi, j'étais moi depuis 12 ans, je ne touchais jamais les femmes et je n'allais pas toucher une jeune femme indienne comme ça. Alors, j'ai pris le paquet de cacahuètes et je l'ai mis dans ses mains. Elle a simplement ri, elle a posé le paquet à côté et elle a de nouveau tendu les mains. Alors, j'ai accepté de placer mes mains dans les siennes en me disant que c'était une sainte. Je vivais avec un pied dans le monde et l'autre dans la vie spirituelle. Et je savais que je voulais mener une vie spirituelle, mais je ne voyais vraiment pas comment. Et quand je l'ai rencontrée, ma prière a été, « Ô Mère, s'il te plaît, fais que je puisse aimer les autres comme tu les aimes. » Parce que j'étais si frappée par la manière dont elle répandait son amour inconditionnel sur chacun, sur tous ceux qui venaient à elle. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je me sentais comme emportée par une rivière de l'amour divin de Mère. J'étais très émue et j'avais peur, mais finalement cela s'est déroulé de façon très naturelle. Ce n'était pas comme si nous nous rencontrions pour la première fois, c'était comme si d'une certaine manière nous nous connaissions déjà, comme si mon cœur était directement relié au cœur d'Ama. Je n'avais pas l'impression qu'elle était une étrangère ou quelqu'un dont je venais juste de faire la connaissance. Je ne faisais plus qu'un avec elle, j'étais si proche d'elle.
L'amour est un besoin essentiel de la vie. En réalité, c'est l'amour qui maintient la vie. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour grandir, l'âme a besoin d'amour pour grandir. C'est ce dont la société moderne a besoin, car seul l'amour aidera les êtres humains à évoluer intérieurement. La plupart des sages de l'Inde n'autorisent pas les gens à les toucher. Cependant, Ama ne considère pas les êtres comme des gens, mais comme des temples de Dieu. C'est la manière d'Ama d'éveiller les gens à la vie spirituelle, à la religion, à la foi en Dieu, parce que, comme je disais, il ne s'agit pas simplement d'une étreinte, mais elle réveille en chacun la faculté de sentir avec son cœur. Pourquoi cette femme prend-elle tout le monde dans ses bras? Pourquoi prend-elle même tous ces hommes dans ses bras? Mère dit, les gens ne seront pas consolés par un simple sourire. C'est pourquoi elle les garde sur son épaule pendant un certain temps, afin de leur faire sentir qu'elle prend vraiment soin d'eux à un niveau individuel. Il suffit qu'Ama caresse la poitrine de quelqu'un pour qu'il éclate en sanglots. C'est comme si le seul toucher d'Ama apaisait tant de peines et d'émotions auxquelles les gens s'accrochent depuis leur enfance. C'est parce que le toucher de mère est tellement chargé de divinité qu'inconsciemment les gens réagissent si fort et s'ouvrent à son contact. La façon de procéder d'Ama est absolument unique. Le monde n'a jamais vu un maître comme Ama passer autant de temps à écouter les problèmes et à y apporter des solutions. Cette manifestation de compassion et d'attention s'exprime dans son darshan. Certains jours, Ama passe 15, 16 et parfois 17 heures avec les dévots à leur parler, à écouter leurs problèmes et à leur donner le darshan. Cette approche propre à Ama est vraiment unique. C'est pourquoi elle montre cet amour universel à tout le monde. Elle voit chacun comme son propre enfant. Elle ne fait pas de différence entre un riche, un pauvre, un homme, une femme ou un enfant. Parfois, les gens demandent à mère, « Comment fais-tu, Ama ? Tu continues 7 jours par semaine, pendant des heures entières. Tu vois des milliers de personnes en une seule journée. » N'es-tu pas fatiguée? Et mère les regarde avec un grand sourire éblouissant et elle dit non, là où il y a de l'amour, il n'y a pas d'effort. Quand une mère porte un enfant dans les bras ou quand l'enfant se repose sur l'épaule de la mère, ce n'est pas du tout un fardeau pour elle. Lorsque vous éprouvez un sentiment maternel envers tous les êtres, lorsque votre esprit devient aussi vaste que l'univers, alors vous pouvez porter le fardeau du monde entier, vous n'en sentirez pas le poids.
Chaque être humain a une relation vitale avec l'amour et y répond intensément. Si Ama nous émeut autant, c'est parce que son amour est authentique. C'est l'amour divin, et cet amour est sans attente. Si vous regardez cet ashram, vous pouvez constater que l'effervescence de la vie y est constamment présente. La vie palpite partout. Mère ne permettrait pas que cet endroit devienne un genre d'institution. Nous faisons partie de la société, mais en même temps, Mère veut que cet endroit soit, telle une forêt. Une forêt. Une forêt est pleine de vie. De vie qui palpite partout. La beauté de la forêt. L'odeur de la forêt. La vie. La difficulté n'est pas de montrer de l'amour. La difficulté est de se débarrasser de l'ego. Sortir de l'ego. C'est cela le plus difficile. En fait, l'amour est la nature des êtres humains. C'est là, en nous, mais nous sommes limités par le soi individuel. Nous devons dépasser cette individualité pour devenir l'être universel. C'est l'ego qui fait obstacle à cet amour. Si nous pouvons nous débarrasser de l'ego, nous pouvons devenir comme une rivière. Ici, dans cet ashram, on ne peut échapper à rien. On doit faire face à tout ce qui remonte en soi. Et c'est la différence entre être dans un ashram, dans un environnement contrôlé, et vivre dehors dans le monde. Dans le monde, on tente toujours de s'échapper. On n'est pas obligé de regarder en soi-même. Ici, il n'y a pas d'échappatoire. Personne n'a de chambre individuelle. Donc, il n'y a aucun endroit où l'on puisse se retrouver seul et fuir une situation. Vous devez faire face à tout ce qui vous arrive. Mère fait ainsi remonter des tas de choses qui font partie du processus de purification. Ce qui est enfoui doit sortir. Donc, de cette façon, les vasanas, les tendances profondes de chacun, viennent à la surface. Nous sommes obligés de les voir, de nous en occuper et de reconnaître que c'est ce que nous devons transformer en nous-mêmes et purifier suffisamment afin de dépasser définitivement ces tendances. Le sentiment de moi-je est plutôt prédominant dans la société moderne. Les gens pensent qu'ils peuvent tout réussir par leur propre effort, par l'effort humain. Mais ceci est une idée erronée. Bien sûr, nous devons faire un effort, mais nous devons aussi prier pour recevoir la grâce. Car le facteur décisif est la grâce. Nous n'obtiendrons aucun résultat si la grâce est absente. L'effort humain est entre nos mains. Mais la grâce ne l'est pas. La grâce est au-delà. Nous devons apprendre l'art de puiser à cette source inconnue de grâce. Pour recevoir la grâce, nous devons faire de bonnes actions. Nous devons aider les autres avec compassion et amour. Vous devez comprendre que la spiritualité, c'est la vie. Ce ne sont pas seulement des mots. Ce n'est pas seulement quelque chose dont on parle et qu'ensuite on oublie. Ainsi, nous nous purifions pour pouvoir vraiment servir le monde. Si vous sortez maintenant alors que vous n'êtes pas complètement pur, comment pourrez-vous vraiment aider autrui? Il vous faut d'abord devenir totalement pur. Et c'est ce que Mère essaie de faire ici, guider les gens dans leur vie spirituelle, les rendre aussi purs que possible. Parce qu'il faut abandonner votre propre égoïsme pour pouvoir vous consacrer au service des autres. Mais je trouve cela bon pour les gens de l'ashram, car ils viennent vers Mère et vivent tous des transformations intérieures. Ils changent et s'ouvrent à leur propre divinité, chacun à sa manière, parce qu'il n'y a pas deux personnes identiques. C'est comme ça? Chacun a une relation personnelle avec Mère, ses propres opinions au sujet de la spiritualité et sur la façon de mener une vie spirituelle. Toutes ces personnes différentes se retrouvent ici, et d'une façon ou de l'autre, cela fonctionne tout seul.
Parfois, il suffit de regrouper des individus en un même lieu pour qu'ils travaillent les uns sur les autres. Tout le monde est impliqué. Personne n'est rejeté. Elle est la mère de chacun. Dès le moment où j'ai rejoint l'ashram avec la grâce d'Ama, j'ai été capable de faire n'importe quel travail sans aucune arrière-pensée, que ce soit couper du bois pour le feu ou nettoyer les toilettes. Mère elle-même donnait l'exemple. Quand il s'agissait de nettoyer la fosse septique ou autre tâche du genre, elle était là. C'était elle qui initiait le travail. Donc, par la grâce d'Ama, cela m'a beaucoup aidé spirituellement. It has really helped me a lot in my spiritual work. Par son exemple, tout au long de sa vie, elle nous montre que nous devons donner de l'amour aux autres. Même si tout le monde nous hait, nous devons prendre exemple sur sa vie et essayer d'être comme elle. Il ne faut haïr personne. Même si quelqu'un commettait une erreur ou lui faisait de la peine, elle a toujours tout pardonné parce que l'amour est au-delà de tout. L'amour et la compassion peuvent tout conquérir. En dépit de toutes les circonstances adverses qu'Ama a traversées, elle a toujours eu de l'amour et de la compassion. Elle est le lotus de l'amour et de la compassion qui s'est épanoui à partir de toute la fange dans laquelle elle a dû vivre. Et c'est ainsi que cette rivière d'amour vient jusqu'à nous. Nous restons toujours au niveau de l'intellect, nous n'allons jamais dans le cœur. Et parce que l'intellect est très analytique, nous avons besoin de la spiritualité pour être dans le cœur. Je ne dis pas qu'il faille complètement supprimer l'intellect, mais il devrait avoir pour fonction le discernement. Il faut pouvoir discerner le vrai du faux. L'acte le plus important est le fait d'être conscient. C'est ce qui manque. La conscience manque. Le mot « gourou » signifie précisément « celui qui enlève ». Quand nous nous rendons auprès d'un maître spirituel, un maître vivant comme Ama qui est fermement établi dans la vérité, un tel maître aidera progressivement la personne à se défaire de toutes ses fausses identifications, de ses valeurs fausses. En fait, elle va entièrement démolir la personnalité existante qui est en réalité une fausse entité. Ce que j'ai vu de l'Irlande du Nord et d'autres pays où je suis allée, c'est que la même bataille a lieu entre catholiques et protestants, juifs et arabes, est et ouest. C'est la même chose qui se passe dans les familles, entre conjoints, à l'intérieur de nous-mêmes et en moi-même. C'est la même lutte. En réalité, il n'y a aucune différence. La vraie solution, c'est que la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Je pense qu'Ama me guide et m'apprend à me transformer, à apaiser la bataille en moi, à modifier les différents aspects de ma personnalité, les conflits, la colère, les frustrations, l'impatience, la tristesse, les chagrins, mes réactions. Elle m'apprend à les dépasser. Je comprends que nous devons regarder en nous-mêmes et je pense qu'Ama nous enseigne comment nous transformer. Les principes spirituels sont indispensables pour ressentir l'amour et l'exprimer dans notre vie de tous les jours. La foi est également très importante parce que la spiritualité de l'amour et des valeurs nobles n'est pas une grandeur mesurable. C'est quelque chose d'abstrait. Vous ne pouvez pas l'avoir. La foi est un sentiment subjectif, et elle est donc très importante. La vie entière repose sur la foi. À toutes les étapes de la vie, nous en avons besoin. Elle est là pour créer le flux. Elle ne fait que se déverser et étreindre tout l'univers.
Cela me réjouit de voir des pratiquants d'autres religions venir voir Mère en Occident. Beaucoup de nonnes vont voir Mère. Quelques sœurs de Mère Teresa sont venues la voir à Paris. Vous savez, Mère ne désire pas changer la religion de qui que ce soit. Elle souhaite que chacun choisisse la forme du divin qui lui convient. Et elle intensifiera leur foi en cette forme. Elle veut les inspirer pour qu'ils aient plus de dévotion, parce qu'elle sait que Dieu est en tout. Il n'y a pas qu'une seule voie. Ama nous dit que la religion est née de l'ego de l'homme, disant « ceci est à moi et cela est à toi ». Ce sont deux choses tout à fait différentes. Une fois que vous avez réalisé Dieu, vous savez qu'il n'existe aucune différence. Donc, Ama inspire toutes sortes de gens, de façon à leur permettre de choisir ce qu'ils préfèrent vénérer. Elle les motivera pour qu'ils développent une plus grande dévotion envers leur choix. Toutes les rivières d'un même pays peuvent être très variées, mais elles s'écoulent toutes vers la mer. De la même façon, toutes ces formes d'adoration, toutes ces formes de sadhana aboutissent à une seule et même vérité, une vérité indivisible. Ama est une incarnation qui a la capacité de concevoir et comprendre toutes ces différentes méthodes d'adoration et de guider toute personne vers l'ultime vérité. Au fond, c'est la façon dont elle les guide vers l'intérieur qui est tout à fait universelle. Je ne vois pas d'autre manière de la décrire, sinon qu'il s'agit de la recherche de la vérité. Les gens dans le monde peuvent prétendre qu'ils n'ont pas le temps d'effectuer des pratiques spirituelles ou d'appeler Dieu. Mais si nous regardons la vie d'Alma, vu le nombre d'obstacles auxquels elle a dû faire face et la souffrance par laquelle elle est passée, l'ensemble de tous les problèmes mondains que rencontrent les gens ne peut être comparé à ce qu'elle a dû traverser à un si jeune âge. Ainsi, cela nous montre vraiment ce que nous pourrions surmonter si seulement nous y mettions tout notre cœur et si nous prenions clairement conscience que c'est l'amour qui nous permet de résoudre tous les problèmes. Ainsi, le Christ a dit, « Le royaume des cieux est en vous ». Donc, le royaume des cieux n'est pas un endroit comme l'ashram, c'est un état de conscience où l'esprit est parfaitement en paix et savoure son propre bonheur intérieur. Un bonheur qui ne vient pas d'objets et de relations, mais qui est la nature même de l'âme. C'est cela le royaume des cieux. Ama fait partie de l'ancienne tradition hindoue ou indienne, qui nous enseigne également que le but de l'existence humaine est de faire l'expérience de l'unité avec Dieu. C'est ça le bonheur, c'est la paix, c'est la plénitude. Ama s'inscrit dans la ligne de cette tradition. Elle n'enseigne rien de nouveau. Ce qu'elle m'a montré, c'est que cet amour inconditionnel était la voie vers la liberté. Que sans ce don d'amour, nous ne pouvions être libres. En réalité, j'étais venue rencontrer Ama pour l'étudier et non en tant que dévote. À cette époque, j'étais à l'université et je préparais un doctorat. Ce que j'ai commencé à comprendre au sujet du gourou et de l'importance du gourou était totalement méconnu en Occident. À l'université, j'étudiais la religion et l'anthropologie. L'enseignement de la religion était transmis de telle sorte que le mot amour en était complètement absent. Et pour la plupart des professeurs, l'étude comparée des religions ne faisait jamais aucune référence à l'amour. Mère, à travers sa compassion, a voulu aider l'homme aussi bien sur le plan spirituel que sur les plans purement humains et matériels. Et c'est cette motivation qui l'a inspiré à réaliser toutes ses œuvres charitables dans le monde. Ainsi, Ama a influencé un grand nombre de gens dans le monde entier. Et ces personnes veulent avoir la possibilité de faire quelque chose avec ce qu'ils ont reçu d'Ama. Ils n'aspirent pas seulement à rester assis en méditation, mais ils veulent aussi partager la paix qu'Ama leur a donnée. Ama souhaite également qu'il puisse aider le plus de gens possible. Ama a créé des orphelinats où l'on nourrit, loge et donne une éducation à des centaines d'enfants issus des couches les plus pauvres de la société.
Ama a fondé de nombreuses écoles, depuis les écoles d'ingénieurs jusqu'aux instituts d'informatique. Ama tient à ce que les enfants acquièrent de bonnes valeurs morales en plus d'une éducation de qualité. Il existe encore d'autres œuvres caritatives chargées de nourrir les pauvres, de mettre en place des camps médicaux, de traitements pour les yeux, de construire des logements pour les pauvres et les handicapés. La tâche actuelle du programme de logement est de construire 25 000 maisons en béton au cours des prochaines années. L'Institut Amrita des sciences médicales, qu'on appelle aussi AIMS, est un hôpital charitable équipé de tout le matériel à la pointe de la technologie médicale. L'hôpital est l'expression de l'immense compassion d'Ama pour les pauvres. Un grand nombre d'employés de l'hôpital sont des dévots de notre ashram qui, pour un coût modique comparé à celui d'un hôpital commercial, accordent une attention bien plus importante à la qualité. Parce que, pour nous tous, ce travail représente l'œuvre de l'amour. Même l'homme le plus démuni peut subir gratuitement une opération à cœur ouvert ou toute autre opération nécessitant une technologie avancée et coûteuse. L'Institut Amrita des sciences médicales n'est qu'un exemple des nombreux services charitables fondés dans la lignée de pensée d'Ama. La liste ne cesse de s'allonger. L'annonce de tout nouveau projet important est toujours une surprise, même pour les dévots les plus proches d'Amma. C'est l'humilité de mère, son sacrifice et son amour qui incitent les gens ordinaires à adopter les mêmes qualités. Vous pourriez dire, ce n'est même pas mère qui entreprend ses projets directement ou personnellement, mais c'est l'influence de sa vie et de son être sur les gens qui les stimule à organiser et à prendre eux-mêmes en charge d'autres projets. Nos garçons et nos filles, je veux dire les brahmacharis et les brahmacharini, vont dans le monde et se mêlent à la société, où ils se mettent au service des autres. Ils offrent leur aide et s'efforcent de leur faire comprendre l'importance de la spiritualité, c'est-à-dire le besoin d'une vie spirituelle dans la société moderne. Ils les aident à vivre une vie meilleure, tout en restant insérés dans le monde. Les gens n'ont pas besoin de s'enfuir, ils n'ont pas besoin de s'échapper. Restez dans la société, mais en même temps, concentrez-vous sur les principes spirituels, sur les principes essentiels de la vie. Ainsi, nous sommes dans la société, mais en même temps, nous essayons de suivre l'ancien système du Gurukula, ce qui veut dire la famille du gourou, où les liens entre les gens sont très étroits. Personne n'est considéré comme un étranger. Personne n'est un étranger. C'est comme une famille. Quand une fleur est en bouton, nous ne pouvons pas voir la couleur des pétales, ni sentir son parfum. Mais lorsqu'elle s'ouvre, nous découvrons ses pétales et son parfum embaume. De même, cette capacité est en nous. Nous avons une capacité infinie en nous. Mais à présent, nous sommes dans la phase précédant l'éclosion. Tout comme une fleur, nous devons nous ouvrir et cette ouverture, cet épanouissement, est possible grâce à la compréhension des principes spirituels. Je crois qu'on se souviendra d'elle comme d'une des saintes les plus aimantes, les plus compatissantes qui soient jamais venues sur Terre. Elle est celle qui, faisant totalement don d'elle-même, s'est entièrement sacrifiée. Elle n'a jamais même pris une seule respiration pour son propre intérêt. La beauté et le pouvoir infini de Dieu sont en tout. Dans le chant du rossignol, le croassement du corbeau, le rugissement du lion, les vagues de l'océan.
C'est le pouvoir de Dieu qui nous aide à voir, à respirer, à marcher, à fonctionner au moyen de nos mains et du battement de notre cœur. Aussi, il nous incombe de devenir Dieu. Nous avons cette capacité. Om Tripurambikayai Namaha Om Dashamudra Samaradhyayai Namaha Om Tripura Sri Shankare Me rouler dans la boue, même si ce n'était pas l'endroit rêvé, on avait l'impression de faire partie de la boue, des plantes, de toute la nature autour de moi. Il m'a semblé faire partie d'un tout. Cela t'a plu ? Oui, je me suis amusée. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Je n'étais pas dans un état conscient. Non ? Non. Non, où étais-tu alors ? Je ne sais pas. Amma jouait avec moi. Parce que tu avais l'air épuisée ? Oui. Mais tu as continué ? Oui, mais Amma jouait avec moi. Ce n'était pas moi qui jouais. Les paroles venaient d'elles-mêmes. Donc c'était Amma qui agissait ? Oui. C'est Amma qui faisait ça ? Oui. Au début, j'étais vraiment intimidée, mais ensuite, au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte que c'était un très grand honneur de jouer ce rôle. Pour incarner Amma, j'ai dû relire sa biographie. Par la suite, chaque fois que je voyais Amma, je me disais, si j'avais eu à interpréter cela, comment l'aurais-je fait ? Alors, je me suis mise à observer ses mouvements avec beaucoup d'attention. J'ai regardé quelques-unes de ses vieilles photos. Ainsi, c'était pour moi comme une méditation. J'ai dû me concentrer très longuement sur Amma pour être capable de l'incarner dans le film. Quand je pense à Amma, j'ai envie de pleurer pour elle. J'aime beaucoup certains bhajans et certaines strophes en particulier. Alors j'ai commencé à les chanter intérieurement et je me suis mise à pleurer. Ça s'est passé comme ça. Cela ressemblait à de véritables larmes. Oui, ça coulait, je pleurais. Ça coulait. J'arrêtais pas de pleurer, ça coulait. Je suis allé voir mère et lui ai demandé sa permission. Je lui ai dit, je te bats aujourd'hui. Donne-moi la permission de te battre et avec toutes mes excuses. Elle a dit ok. Et elle m'a donné aussi un chocolat. Dis-moi quel était ton rôle ce matin. Ils sont en train d'attendre. Alors c'est un mauvais rêve en quelque sorte. Oui, oui, c'est un mauvais rêve. Mais ce n'était pas une scène difficile. Non. Hier, j'étais au Bhajan à minuit. Après cela, je suis allé me coucher, mais... Mon sommeil était très perturbé. J'en suis désolé, je m'en excuse. This is my destiny. Non, non, c'est ma destinée. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Il n'y a pas de fin.